La piscine Aquaride a été construite en 1978. En 1998, elle a été entièrement réhabilitée avec l'ajout du bassin ludique et depuis, à part les vestiaires, rien n'a bougé. La piscine n'étant plus aux normes handicapées, des travaux étaient donc à prévoir. De plus, le grand bassin montrait également quelques faiblesses. Le bassin commençait à vieillir et on avait des suintements d'eau au niveau du vide technique. Donc on devait tout mettre en œuvre pour enlever ces fuites, donc refaire un carrelage et une étanchéité. L'année dernière, au mois de décembre, on a un problème de ventilation et au mois de mars, on a eu un problème de pompe. Donc on a dû faire ces travaux avant. En attendant que les travaux se terminent, le staff en profite pour faire le grand ménage. Alors nous, on a déjà dû tout démonter parce que pour la poussière et tout, vidanger les bassins, nettoyer les pompes, nettoyer les filtres, démonter tout ce qui est dans le vide technique. On a une grosse maintenance, on en profite pour maintenance au niveau des filtres, changer les médias filtrants, c'est-à-dire le sable, changer les pompes, démonter les pompes, nettoyer. Les maîtres nageurs pendant ce temps vont faire de la peinture, le podium, la peinture chez eux dans les bureaux. On en profite aussi faire un projet pédagogique pour tout ce qui est scolaire, pour tout ce qui est école de natation. Les maîtres nageurs sont en réunion pour faire, pendant 15 jours, ils font le projet pédagogique. Et aussi, ils travaillent sur les animations. La piscine aurait dû être terminée courant juillet, mais avec le confinement, les travaux ont pris du retard. Aujourd'hui, Vincent et son équipe espèrent rouvrir en septembre. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. Il y aura la couleur du carrelage du grand bassin. Ça sera plus de la micro-mosaïque, mais des carreaux un peu plus grands. On aura de l'éclairage subaquatique au niveau du bassin ludique, là où on est, du toboggan, donc on sera plus obligé d'éclairer par au-dessus. Et on aura aussi au niveau le palmier qui va disparaître et on aura des boules lumineuses pour que ça fasse un peu plus attractif et plus cocooning, comme on peut dire, un peu plus sympa le soir en nocturne. Le hasard du calendrier qui veut que la rénovation de l'Aquaride coïncide avec le départ de son directeur, Vincent Kubler quittera ses fonctions pour prendre sa retraite fin d'année.